Ne sont-ils pas trop choux, ces petits enfants? Ils sont trop mignons. Enfin, moi, je les trouve trop choux, en tout cas. Et on se retrouve pour la suite, comme d'habitude. J'ai oublié de remettre le logo, mais on se retrouve comme d'habitude dans la suite du 100 Baby Challenge, comme tous les mercredis et vendredis à 17h30. J'espère que vous aimez ce display parce que moi je kiffe. On va mettre hot. Voilà, c'est bon. On a les petits logos. C'est reparti pour un épisode de torture à s'occuper des enfants. C'est limite ça en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois la poupée, non. Écoute, go faire des pancakes. Non, pas ici, Angela. Non, non, tu n'as pas le droit. Non, c'est pas bien. Allez, c'est faire un petit peu leurs bêtises ensemble. Bon, ça va, ils font plus trop de bêtises. Mais là, non, c'est pas bien, Angela. Continue à mettre le bazar. Non, je suis pas d'accord. Comme ça, voilà. Ils peuvent venir se servir, manger, prendre une portion avant d'aller dodo. Comme ça, ils iront dormir le ventre plein. En plus des pancakes, franchement, moi en ce moment j'en mange. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé. Mais j'aurais bien aimé goûter les pancakes au sirop d'érable. Parce que j'ai jamais acheté de sirop d'érable. Faudrait que j'en achète en magasin et que je teste. Parce que ça a l'air d'être trop bon. Ça a l'air d'être super bon. Ça, hop, le reste on met ici. Toi, c'est dodo. Quand toi t'as fini pareil, c'est dodo. Voilà, on récupère un petit peu de l'argent. Et tout le monde est parti dormir. Franchement, ça a été une journée quand même bien productive. Enfin, du moins dans l'autre épisode. On a bien avancé. Les bambins ont bien avancé aussi également dans leurs aptitudes. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de savoir, attendez, quand ils vont grandir. Je pense que c'est pas dans très longtemps. Alors... dans 2 jours. Dans 2 jours, on va pouvoir les faire grandir. Et ça, c'est cool. Ça, je suis contente. J'ai rencontré quelqu'un en ligne qui veut me voir au Festival de l'Amour. Je cherche quelqu'un pour m'accompagner au cas où. Eh ben non, trouve-toi quelqu'un d'autre. Passe à autre chose. Vas-y avec ton mari, peut-être même. Allez, c'est l'heure de ranger. Et de s'entraîner encore une fois. Non, parce que c'est vrai que j'insiste et je vais être relou sur les prochains épisodes jusqu'à qu'on atteigne le niveau 9. Attends, parce qu'il y a Brent. Ah, d'accord, toi, tu rentres comme ça, toi. T'as cru que t'étais chez toi, ouais. Embrasser quelqu'un. On va l'embrasser quand même. Ça sera quand même pour les traits. Appeler quelqu'un au téléphone. On va appeler David, tiens. J'espère que tu ne seras pas jaloux si je l'appelle. Ça, on va nettoyer parce que c'est un petit peu hardcore. Mais ouais, sa compétence cuisine, on peut peut-être garder ça. On n'a pas d'ordinateur par contre. Ça sert à rien de l'appeler, de toute manière, on est mal à l'aise. Donc au final... D'ailleurs, ça fait un petit moment, je crois que j'ai pas sauvegardé. J'ai quand même sauvegardé parce que j'ai fait tous les épisodes un petit peu à la suite. Et du coup, si j'aurais pas sauvegardé, j'aurais été dans la catastrophe totale. Heureusement que j'ai pensé à sauvegarder là, du coup ça m'est venu, je suis... Oh, ça fait depuis combien de temps que j'ai pas sauvegardé là? Attention, Kazelle, attention. Bon, il est où Brent? Il est parti? Il est là-haut. Attendez, on peut peut-être encore le choper. Parce qu'on a enlacé quelqu'un. On va l'enlacer. Quoi? Mais c'est pas Brent? C'est Marcus. Ah, j'ai cru que c'était Brent. Mais il est où? Il est sous la couette? Pourquoi il est sous la couette? Il allait sous la couette. Pourquoi? Alors attendez. Embrasser langoureusement. On va l'embrasser langoureusement. Embrasser langoureusement, c'est où? Parce que moi j'ai embrassé. Voyez un baiser, embrasser les mains. Bon, on va déjà l'embrasser tout court, sinon au pire. Mais où tu vas? Il s'enfuit! Mais pourquoi tu t'enfuis? Et là, embrasser langoureusement. Ouais, mais je... Faut peut-être que je sois enjôleuse pour ça. Embrasser, embrasser... Envoyer un baiser, embrasser Technino Drag.
Non, j'ai pas. Par contre, on peut lui demander de rester pour la nuit. Dormir ici, génial. Bah ouais, écoutons. Hein. Bon, allez, on va s'entraîner en attendant. Encore et encore. Oh! Écrire dans un journal intime. Non, pourquoi t'es triste? Nostalgie famille, les Sims proches de leur famille doivent passer du temps avec les membres de leur famille. Mais tu passes du temps avec eux, qu'est-ce que tu racontes? Alors, on va voir ce qu'il nous reste. Il en reste deux. On le sort. Et là, il en reste sept, ok. On va peut-être pas refaire à manger tout de suite, parce qu'on en a pas mal. Par contre, on peut faire reproduire des grenouilles. Non, ici. Je vais prendre une portion, parce que je sais que tu as faim. On va prendre une douche et nettoie juste après. Les enfants, ils ont pas faim, j'ai l'impression. Pas encore, du moins. Du coup, on va ranger l'assiette. Par contre, il va falloir les envoyer sur le pot, quand même. Hein. Aller sur le pot. Lui, ça va. Lui, par contre, il va falloir leur faire prendre des bains, aussi. Ce serait pas mal. Donc, si après, si on peut, c'est leur faire prendre des bains. En plus, elle a besoin de prendre du temps avec eux. Donc, on va donner un bain simple. Bah, tiens, à Angelo. Et ensuite, à donner un bain à Angela. Ils vont tous les deux passer d'ailleurs la journée. Tiens, je vais boire un verre. Voulez-vous venir avec moi? Non, je suis désolée. J'ai invité Brent à venir dormir à la maison. Si en plus, je me barre, ça va pas le faire. Ensuite, la nettoyer. Ensuite, aller aux toilettes. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Bah alors, tu leur fais pas prendre un bain? Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Ah bah merci. Voilà, parfait. Voilà, comme ça il sera tout propre. Et là, on va ouvrir, on va sortir. Tiens, il en reste un, ce sera pour toi. Donner un bain à Angela. Elle peut pas, elle est obligée. Il faut qu'elle prenne son bain. C'est pas elle qui choisit. Hein. Elle va pas esquiver le bain. C'est pas possible ça. Tu n'esquiveras point le bain. Ensuite, tu pourras manger si tu veux. Elle est pas d'accord. Ok. Elle va manger de la salade. Non, 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 non! Bon, tant pis, ce sera le bain pour plus tard, parce que là, elle a pas l'air d'être. D'être trop OP. Pour aller prendre un bain, donc tant pis. Est-ce que maintenant tu es OP pour aller prendre un bain? S'il te plaît. Angela, s'il te plaît. Ah, maintenant elle est d'accord. Je pense qu'elle avait faim, du coup elle voulait pas prendre le bain. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Normalement, t'aurais pris un bain. Hein. Ça aurait été moi, tu l'aurais pris le bain, je peux te le dire. Hein. Je t'aurais donné un casse-dalle dans le bain si tu veux, mais... elle, elle peut toujours pas faire les formes, je crois. Ah si, elle peut faire les formes. Et quand t'as tout, qu'est-ce qu'il a? Attends, si, si, on peut faire des choses avec, par exemple, lui demander. Invité à jouer à la poupée. Tiens, viens, viens jouer à la poupée avec moi. Il joue à la poupée avec son fils. C'est tellement... lol. C'est tellement lol. On peut peut-être prendre un petit screen là entre fiston, entre père et fils. Voilà, petit screen. Ça fait plaisir. On peut joindre le dodo. Non, ça va. Bon, oh bah si ça va, c'est que ça va. Ah, par contre, là, discuter avec quelqu'un.
Non, pas dans amical, conversation profonde. Et toujours embrasser langoureusement Brent. Montrer une nouvelle personne. Je sais pas, bon, on va fermer ça parce que j'arrive pas. Par contre, faut qu'on rencontre une nouvelle personne. Bonjour, Brent. Oh, c'est son mari? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est son mari? Attends, non, stop. Il est où? Il est où? Là. Oh non, franchement. Oh non. Faut qu'on aille le rencontrer. Oh mon dieu. C'est-à-dire à propos des sonates de piano. S'extasier à propos des sonates de piano. Voilà, parfait. Là, c'est quoi? Jouer une sérénade au piano à quelqu'un. Est-ce qu'on peut jouer la sérénade? Angèle ne peut jouer. Ah, mais du coup, attends. Est-ce que je peux jouer une sérénade à Brent? Il aime bien... Brant. Jouer une sérénade à Brant. Oh, j'ai jamais fait ça. Oh là là. Oh, tu te calmes, hein, tu te calmes. Et commencer une nouvelle carrière. Ça, c'est mort. À cause du challenge, tu ne pourras jamais faire une carrière. Tu seras toujours une mère au foyer. S'admirer devant le miroir, d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Brasser langoureusement, toujours pas. S'entraîner à parler devant le miroir. Jouer un concerto, ça on va garder. Jouer un concerto. Je suis désolée, Brown, tu vas voir que tu me laisses passer. Par contre, là, ça va. Comment ça? Bah, va dodo. Va dodo. Hein, je sais que t'aimes bien ton papa, hein, mais il faut que t'ailles dormir. Jouer un concerto au piano. Ok. Prendre des restes. Et puis dodo. On aura bien avancé hein, quand même hein, sur les points. D'ailleurs, on est à combien au niveau des points? Les aptitudes. On est à 1925. Je pensais qu'on aurait plus. Je pensais en avoir plus que ça. Mais bon. Et du coup, en romantique, on a quoi? Aller à deux rancards. Avoir un petit ami ou une petite amie. Je sais pas si c'est bien de garder ça. Cette aspiration-là. Il y a peut-être mieux à faire. Peut-être... De toute façon, je peux le changer, ça. Si je sélectionne une nouvelle aspiration. Pour gagner des points, ce sera plus simple. Prendre quelque chose avec la musique. Créativité. Génie de la musique. S'entraîner à jouer de la musique pendant 6 heures. Écouter de la musique pendant 2 heures. On va plutôt prendre ça pour gagner des points. Ce sera plus simple. Donc là, écouter de la musique pendant 2 heures. Va falloir de toute manière que j'achète une chaîne Hi-Fi. Du coup, pas le choix. On n'a plus trop le choix par rapport à ça. Et là, on va sortir. Il reste 4 jours pour ça, 4 jours. Il reste 5 et 4. Bon, des pancakes, puisqu'ils viennent de se lever. Je pense que c'est plus intéressant de manger des pancakes. Et toi, pareil. Bon, faut que... Aller sur le pot et puis aller manger. Juste après. On va aller manger avec le papa. Oh, c'est chou. Regardez, ils sont trop choux. Oh non, il s'est barré. Pas très gentil ça. Oh, c'est bien, il nettoie. Tu peux aller nettoyer juste derrière là, derrière la maison. Ah, oh, merci. C'est gentil.
Oh, il est parfait. Oh, je te remercie, Brent. Je te remercie. C'est gentil. Non, mets-le à la poubelle. Non, il ne le mettra pas à la poubelle. Bon, toi, tu vas aller dormir. Toi, ça va, tu peux jouer. On joue ensemble, c'est bien. Brent, si tu veux, tu restes habité ici. Excusez-moi pour le micro. Tu restes habité ici, il n'y a pas de problème. Tu comme ça, franchement, c'est parfait. Vous savez quoi, on va acheter une chaîne ici. Hein. On va acheter une chaîne ici. Oh, bientôt l'anniversaire d'Angelo. Donc, je pense que c'est le lendemain, leur anniversaire. Donc, à partir du moment où ils annoncent que c'est leur anniversaire, je pense qu'on peut déjà les faire grandir. Mais je pense qu'on va attendre le lendemain pour les faire grandir. Hein, histoire de gagner un petit peu d'argent. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on aille dans le salon pour la chaîne ici. Voilà, c'est dans le salon. Une petite chaîne ici. Wow, 150 simflous, ça suffit, je pense. Hein. 1, 5, 1, 3. On va prendre celle-là, je pense. Où est-ce qu'on peut la mettre? On va la mettre là. Non, quoique dans le salon. Juste là. Comme ça, elle pourra s'asseoir pour écouter la musique. Voilà, pour l'instant, ça suffit. Pas besoin de dépenser plus d'argent. C'est déjà beaucoup d'argent dépensé, je trouve. Hein? Ensuite, elle, on la réveille. Go to the toilette. Hein. Et si on fait une chambre d'enfant digne de ce nom, étant donné qu'on ne gagne pas encore d'argent, eh bien, il va falloir retourner creuser. Copuler des crapauds. Faites quoi dans la vie? Ah bah je fais une reproduction de grenouilles, hein, c'est normal. C'est quoi la différence terre surfeuse? Mais c'est toujours les mêmes en fait. Toujours pas de grenouilles? Eh bah dis donc. Ainsi on a tout pris. Un citronnier sauvage. On va peut-être faire le tour. On va profiter que Brian soit à la maison pour peut-être aller aussi chercher des cailloux un peu plus loin. Genre jusqu'ici même. Même si je n'en vois pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y en a pas? Ce sera déjà pas mal. Ah ici il y en a aussi. Pas de grenouille. Elle a tout ramassé, mais non, t'as pas tout ramassé. T'as laissé la moitié des trucs derrière toi. Et là, y a rien. Si, 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 si. Les enfants sont en train de dormir, là je peux le voir en bas, donc ça va. Non, viens ici creuser, t'as pas fini ma petite. Tu viens ici tout de suite. Du coup elle a tout pris ou pas? Je pense qu'elle peut rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Les enfants, c'est comment? Les enfants, c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Je rêve ou j'ai entendu... Ah, il est encore là. Bon bah écoute, il a dit... Lui, je lui ai dit de rester pour une nuit. Il a décidé de rester pendant une semaine et demie, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Prendre une douche et prendre des restes. Là, on va éteindre. Et qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, si on peut faire reproduire encore une fois. Oula, 8 capsules. Ça va nous faire gagner combien tout ça? 560 simflous, je vais pas m'en plaindre. 30 simflous. J'ai cru que ça allait donner plus parce que... Ah, par contre, celle-là, 150, je valide. 25, ouais.
extraire les fossiles. Ouais, 10 simflouzes, 70 et 40 simflouzes. Ça, on va vendre pour l'instant les pièces d'amélioration. Pour l'instant, j'améliore pas grand chose. Et on va commencer à vendre toutes les grenouilles qu'on a en trop. Elle est en train de pleurer. Oh, mais arrête de pleurer. Ça me rend triste. Ou pas. Voilà, 3000 simflouzes. Je vais pas me plaindre. Hop. C'est parti. Allez. Allez, Angel. Non, fais pas ça. Faut pas que tu pleures. Bon, en vrai, là, ils vont bientôt se réveiller. Mais on peut les laisser dormir encore un petit peu. N'en nettoie pas, jette-le à la poubelle. Je suis la seule meuf, je crois, qui dit à ses Sims de jeter les choses à la poubelle au lieu de les nettoyer, lol. Alors, on va les réveiller pour aller manger quand même. Et il en reste deux, donc tiens, c'est un petit réveil. Je commence à avoir faim, et toi aussi, je pense. En fait, il va réveiller. Angelo, il kiffe tellement son papa qu'il va le réveiller avant d'aller manger. Oh non, ils vont aller manger ici. Mais pourquoi vous venez là, les bébés? Lol. Okay. Et toi, est-ce que tu peux genre aller aux toilettes juste après? Avant que ça devienne une catastrophe. Avant que tu te fasses dessus, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je veux pas que tu te fasses dessus. Voilà. Je pars au travail à plus tard. Bah écoute, va. Est-ce qu'elle aura le temps d'aller? Oui. Elle est allée sur le pot, c'est parfait. Oh, tiens, tu vas l'accompagner. Elle est sur le pot, même si tu as un tout petit peu envie. Hein. Alors. On va lui demander d'aller s'entraîner. Ouais, peut-être qu'elle écoute de la musique aussi. Allumer, écouter. Tiens, du classique. Est-ce qu'elle écoute au moins là ou pas? T'écoutes pas là? Apprécie la musique classique, va. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est énervée, elle est pas contente. Elle est pas contente. Il va falloir aussi payer les factures. Par contre, elle a pas écouté la musique, quoi. En mal d'amour, lol. Et est-ce qu'on arrive? On n'arrive pas à écouter la musique. Comment faire? Est-ce que je peux la faire s'asseoir? Genre, va t'asseoir. Et genre, écoute. Est-ce qu'elle écoute la musique là ou pas? Quelle question, Jennifer? Est-ce que c'est le genre de musique à écouter? Vous pouvez acheter des Jennifer en mode construction. Ok, ouais, donc normalement ça devrait fonctionner comme ça. Ça n'a pas l'air de fonctionner. On va éteindre. Écoutez. De la pop. Bah, tu veux pas écouter en mangeant? Si, là, je crois qu'elle écoute. Du moins, j'espère qu'elle écoute. Elle a l'air d'écouter pour le moment. Ouais, là, elle a l'air d'écouter. Je sais pas, elle devait peut-être pas aimer la musique classique. Là, on est à 1 heure, c'est parfait.
Quant à toi. Non. Va pas l'embêter, elle est en train d'écouter la musique, s'il te plaît. Ne l'embête pas, s'il te plaît. Là, va apprendre les formes, tiens. Va apprendre les formes. Voilà. Elle est en train de dormir, on va la laisser dormir. Non. Écoutez la musique pop. C'est vrai que la musique classique, elle voulait pas l'écouter. Non, va écouter, s'il te plaît, la musique. On va y arriver, s'il te plaît. Ah, merci. Jouer un instrument pendant une heure en étant inspiré. Non, Jacques. Non. Laisse-moi tranquille, Jacques. On s'en va éteindre. Voilà, parfait. On s'en sort plutôt pas mal. Bah écoutez, on va la laisser jouer sa petite musique pendant une heure. Hein. Et nous, on va vous laisser sur cette aire de musique totalement mélancolique et les bébés qui sont en train de gueuler derrière, surtout la petite qui est un petit peu triste ou nette parce qu'elle vient de faire un cauchemar. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du 100 Baby Challenge. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Et comme d'habitude, rendez-vous mercredi et vendredi 17h30 pour un prochain épisode. Gros bisous à vous. À bientôt.